Salut tout le monde, c'est Followy et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les atouts en pro sur Black Ops. Alors il faut tout simplement créer une classe avec l'atout donc que vous voulez en pro. Donc je vais créer une classe je vais mettre pirate, voilà. Donc je l'achète, donc je ne l'ai pas en pro, vous voyez très bien que je viens de l'acheter. Voilà, après vous allez quitter. Je vais faire rond. Ouais, bon là je vous montrerai encore que. Voilà, vous faites rond. Pour venir dans le menu principal, vous allez dans local, partie LAN, créer une partie. Et là, vous allez rejoindre un ami à vous qui est dans une partie pleine. Donc, vous attendez. Dès que vous trouvez un ami à vous qui est dans une partie pleine. Donc là, je trouvais pas encore, donc j'attendais. Et en fait, dès que vous allez faire rejoindre, vous allez faire plein de fois rond. Dès que vous appuyez sur rejoindre, vous allez faire plein de fois rond. Quasiment en même temps pour qu'il y ait un bug. Donc là il est dans l'accueil, il va être dans une partie pleine. Et bientôt en fait voilà, voilà, donc là il est dans une partie pleine. Donc là vous allez faire rejoindre et plein de fois rond en même temps. Et là il y a un bug et vous retournez dans partie LAN. Donc vous allez créer une classe avec l'atout que vous voulez en pro. Voilà, donc vous allez sur l'atout que vous voulez. Et vous faites deux fois carré. Vous faites deux fois carré sur l'atout que vous voulez. Voilà, et vous restez sur acheter et équiper. Alors là il faut qu'un ami vous invite dans un match privé ou dans un groupe, ça revient même. Et en fait, dès que vous allez faire rejoindre, pareil, là où vous n'allez pas faire rond, vous allez faire plein de fois croix. Plein de fois croix. Et le bug, eh ben, il va se faire, vous allez voir. Donc là, vous allez dans les messages reçus. Et là, dès que vous faites rejoindre, vous faites plein de fois croix en même temps, quasiment. Voilà. Et là, il y a un bug, vous voyez, il y a les classes qui sont en train de se faire. Et là, vous allez dans créer une classe. Et vous regardez la classe avec l'atout que vous avez mis. Et vous voyez que vous l'avez en pro. Regardez, pirate, je l'ai en pro. Mais c'est un bug, hein. Donc si je change l'atout, je ne l'aurai plus en pro. Mais là, si je le laisse, je l'ai toujours en pro. Voilà. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Et mettez un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Allez, ciao.